L'ambition de Stellantis en matière de véhicules utilitaires est de proposer à chacun de nos clients une solution de mobilité pour les accompagner dans leur transition énergétique et leur permettre de préserver leur liberté de circulation dans les villes. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une grande offensive en électrifiant l'ensemble de notre gamme véhicules utilitaires européenne. Cette gamme de véhicules utilitaires électrifiés permet à Peugeot de disposer d'un atout majeur qui permet d'ores et déjà de couvrir les usages de 40% des clients. Notre ambition étant d'aller plus loin, nous devons compléter cette offre avec une technologie qui est la technologie pile à combustible à hydrogène. Quand on parle de pile à combustible, c'est d'abord une pile. Une pile, en fait, c'est un système qui permet de générer de l'électricité. Et à combustible, c'est parce qu'on parle d'un combustible qui est de l'hydrogène. Donc en pratique, on utilise une réaction chimique entre l'hydrogène et l'oxygène de l'air pour obtenir de l'eau et de l'électricité. C'est aussi simple que ça. Quand je parle d'une réaction chimique, en fait, ce sont deux réactions chimiques qui ont lieu au sein de ce qu'on appelle une cellule. On sépare deux réactions chimiques, la première avec l'hydrogène, la seconde avec l'oxygène de l'air. On les sépare avec une membrane, ce qui permet la circulation de l'électricité. Une simple cellule permet de générer une petite quantité d'électricité, une faible puissance. Donc pour les applications qui nous concernent, on a besoin de générer beaucoup plus de puissance et donc on empile toute une série de cellules. C'est pour ça qu'on parle de pile. Cette pile à combustible est implantée dans le bloc avant du Peugeot e-Expert Hydrogène et est alimentée par trois réservoirs d'hydrogène positionnés sous le plancher arrière. Ces réservoirs embarquent 4,4 kg d'hydrogène sous 700 bars de pression. La seconde source d'énergie est une batterie haute tension, lithium-ion, rechargeable, qui a une capacité de 10,5 kWh et qui délivre une puissance de 90 kW. Cette batterie est positionnée sous les sièges de la cabine du Peugeot e-Expert Hydrogène. Ces deux sources d'énergie se combinent pour alimenter un moteur électrique qui est positionné sur le train avant, qui délivre 100 kW de puissance et 260 Nm de couple. Ce moteur électrique bénéficie d'un réducteur spécifique qui est adapté aux usages sévères d'un véhicule utilitaire. Quels sont les avantages pour le client liés à cette nouvelle technologie de la pile à combustible à hydrogène? Bien, il y en a trois. Le premier avantage, c'est un temps de recharge extrêmement court, puisque en 3 minutes, vous rechargez l'ensemble des réservoirs hydrogène. Le second avantage, c'est une autonomie accrue qui s'élève à 400 km. Le troisième avantage, enfin, c'est d'avoir pu préserver l'ensemble des prestations utiles du véhicule, à savoir un espace de chargement qui est strictement préservé, identique à une version électrique ou à une version thermique, une charge utile d'une tonne, et une capacité de remorquage qui s'élève également à une tonne. Donc vous l'avez compris, ces trois bénéfices clients permettent à Peugeot e-Expert Hydrogène d'apporter une réponse complémentaire par rapport à l'électrique et de permettre à encore plus de clients d'avoir accès à une solution de mobilité zéro émission qui répond complètement à leurs usages professionnels au quotidien. Pourquoi on parle de mobilité durable ? Parce que c'est une mobilité sans émissions, ni émissions sonores, ni émissions de l'air. Mais aussi durable, parce que l'énergie, l'hydrogène, on est capable de le produire de manière verte ici en France.